Bienvenue pour votre astro tarot du mois avec le jeu du grand tarot de Madame Lenormand pour vos amours. Avec cette première carte du 2 de trèfle qui représente les événements imprévus. Les effets sont très positifs. Dans sa représentation, nous apercevons des déesses qui sont réunies au bord de la rivière Pactole. Elles emplissent leur jarre. Cette carte est rattachée à la légende de Midas. Elle représente un accroissement de votre charisme et de votre sex appeal. Regardons ensemble cette seconde carte qui est le 2 de pique. Elle correspond à la guerre de Troie. Les effets sont plutôt négatifs. Dans sa représentation centrale, nous apercevons Calchas, qui est consulté par les Grecs pour connaître l'issue de leur expédition. Dans cette représentation, cette carte nous dit que nous sommes dans l'impossibilité de résoudre nos problèmes tout seuls. Nous avons besoin de demander conseil à une personne avisée. Avec cette troisième carte de la Dame de Trèfle qui représente les événements imprévus aux effets plutôt positifs. Dans sa représentation, nous apercevons les trois Hespérides, filles d'Atlas, qui garde l'arbre aux pommes d'or. Pour les célibataires, cela peut signifier qu'une femme brune peut sortir de l'ombre. Si vous êtes en couple, il peut s'agir d'un désir de paresser, de ne rien faire, de vous endormir un petit peu sous vos lauriers. Avec cette carte du 10 de cœur qui représente le grand œuvre aux effets positifs, nous apercevons l'artiste qui observe la matière qui commence à se transformer. Cette carte est favorisée pour vos amours car elle représente l'aboutissement de vos pensées créatives. Vous explorerez des qualités prêtes à éclore. Cette carte, d'une manière générale, est propice au renouveau, au changement et à la métamorphose de vos amours. Poursuivons notre astro-tarot et pour cela, je vais utiliser le tarot de Salvador Dali pour votre travail, vos activités et vos projets. Avec cette première carte qui est la Reine de Deniers, qui met en lumière vos talents et vos défis. Ne gaspillez pas vos chances de réussir, car vous possédez des dons particuliers pour attirer à vous la réussite. Les arcs à l'arrière-plan de cette carte semblent légers, comme s'ils étaient composés de fleurs, des cascades de délicatesse et de tendresse. Vous disposez du pouvoir de trouver votre bonheur et de le réaliser. Répartissez vos tâches pour dominer aussi les montagnes du quotidien. Fais d'abord le nécessaire, puis le possible, et soudain tu réussis l'impossible. François d'Assise. Cette carte du 8 de bâton nous donne une plus grande responsabilité. Elle incarne les énergies vitales. Instinct et finalité font brûler le feu intérieur. La carte du 8 de bâton représente un modèle d'énergie combative. Assurez-vous d'un bon flux d'énergie et de bonnes vibrations dans vos rapports avec vous-même et surtout avec vos collègues. Prenez conscience de ce qui vous touche vraiment, vous et les autres. Soyez perceptif aux intérêts de tous les participants. Alors, vous pourrez sans aucune manipulation unir beaucoup d'énergie et faire progresser vos projets et vos actions. Avec la carte du roi de deniers, c'est le sens des réjouissances. Dans le tarot denier, il symbolise la matière et le corps, l'argent et les talents. Dans vos projets et activités, mettez de l'ordre dans vos applications. Cette carte indique une vie productive et épanouie. Dressez le bilan de vos objectifs importants déjà atteints et de ceux qui ne sont pas encore réalisés. Avec cette dernière carte de cet astro-tarot spécial activité, projet et travail, nous avons la carte du valet d'épée. C'est la légèreté de l'esprit. Nous apercevons une flamme dans le feu, un corps dans l'eau ou un objet dans l'air se met en mouvement si on lui insuffle de l'air. Aérez votre esprit. Tenez-vous même l'épée en main. Ne cédez pas votre capacité de jugement à d'autres. La valeur d'une idée ne se mesure pas à ce qui est, mais à ce qui sera. Peut-être sentez-vous que la partie qu'un être humain peut comprendre est plus petite que ce qui existe. Utilisez et saisissez votre part dans le jeu de vos activités professionnelles et votre vie paraîtra sous un angle plus léger. Pour ce troisième tirage de cet astro-tarot, je vais utiliser le tarot des planètes. Avec cette première carte de la maison 8 qui représente l'œil de Dieu, celui qui sait tout et qui peut tout voir. Vous n'hésiterez pas à réformer vos vieilles méthodes. Vous serez tourné vers les nouvelles technologies qui vous permettront de faire fructifier vos idées. Cette seconde carte de la maison 10, où l'on aperçoit dans un bureau deux hommes bien vêtus débattent d'une question importante et plutôt urgente, à en juger par l'expression sérieuse de leur visage et au fait que l'un d'eux semble à peine arrivé. Il porte encore une sacoche à la main. De toute évidence, cette carte vient renforcer
récolter le fruit de notre travail. Toujours pour vos finances, amis Capricorne, pour ce mois de juin, avec cette carte de la maison 3, où l'on voit un enfant qui s'approche du berceau de son petit frère ou de sa petite sœur pour jouer. Cette carte représente les relations différentes avec les interlocuteurs financiers. Avec cette quatrième carte pour vos finances, amis Capricorne, pour ce mois de juin 2021, la carte de la maison 7, où l'on aperçoit devant une église deux jeunes mariés qui viennent de prononcer le oui fatidique, le mariage, le lien le plus important que l'on puisse décider. Cette carte pour vos finances concrétise le fruit de vos espérances. Pour ce quatrième et dernier tirage, j'ai choisi le tarot des anges, dont voici le message. Je suis l'ange qui descend pour vous réveiller, car de nouvelles énergies arrivent sur terre pour vous la remplir de lumière. Venez à la nouvelle vie, laissez l'ancienne derrière vous, recevez ce don du ciel, commencez à vivre avec pardon et libération. C'était votre Astro Tarot. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation plus personnelle. Merci à vous. À bientôt.